Bonjour à tous, je vous présente ici sur votre smartphone une manière de réaliser des collages de manière simple et gratuite. Alors il existe de nombreux logiciels, lorsque vous tapez collage de photos en haut, il y a notamment le logiciel montage photo, photo collage, oh là là, et grid. Donc vous pouvez, alors moi il l'a déjà installé, vous pouvez cliquer sur installer ou cliquer. Il y a d'autres logiciels encore une fois qui peuvent être utilisés, celui-ci en est un parmi d'autres. Alors si je l'ouvre, donc vous allez pouvoir réaliser de l'édition ou simplement du collage à gauche. Donc si je clique sur collage, il y a une pub souvent qui s'affiche, donc je vais pouvoir la fermer avec la croix en haut du logiciel. Et le logiciel me propose directement les photos de mon téléphone. Donc ici, je suis dans le dossier qui m'intéresse. J'utilise, donc ici, à chaque fois que je sélectionne mes photos en cliquant dessus, elles s'affichent en bas de l'écran. Si vous voyez, par exemple, j'ai sélectionné un petit peu trop de fois les sushis, alors si je reclique dessus, elle va se sélectionner plusieurs fois. Donc il faut aller en bas, fermer les photos avec la petite croix. Ici, j'ai 4 photos, ça va me suffire pour mon montage. Je peux donc cliquer en haut sur prochain. Je clique sur prochain et voici l'étape suivante. Donc un montage m'est proposé, je peux le changer, je peux faire un agencement tout simple. Donc en bas ici, vous voyez, j'ai différentes icônes. Dans agencement, la première, je peux choisir différents agencements. Des agencements ici complexes, mais plus simples. Voilà, on a ici un agencement plus simple. Je peux modifier avec l'onglet bordure les différentes tailles de bordure et aussi les coins. Je peux aussi modifier le fond. Donc il y a différents paramètres, hein, notamment je peux changer les couleurs du fond. Vous voyez, en cliquant ici. Une fois que j'ai validé, je peux aussi m'attaquer à d'autres choses. Alors je peux changer le ratio souvent, c'est-à-dire la taille de l'image. Je peux ajouter aussi des filtres à une photo en particulier, ou ajuster différents contrastes, par exemple la luminosité sur cette photo-là. Je peux, si je veux, sur l'ensemble de la photo, je ne sélectionne aucune photo, sur l'ensemble du collage, je peux aussi ajouter d'autres filtres. Bon, je peux aussi ajouter des stickers si j'ai envie. Donc voilà, mon sticker, je peux le mettre ici. Voilà, donc il y en a de différentes sortes. Je peux rajouter du texte, coucou, et le mettre ici. Alors ce texte, c'est pareil, en bas il y a un bandeau qui peut me permettre de changer les couleurs, par exemple. Donc il y a un certain nombre d'options. Je peux aussi dessiner si j'en ai envie. Donc ici je peux changer la gomme ou la brosse, donc je peux par exemple me dessiner, allez, hop, des petits cheveux, et toujours valider. Donc une fois que mon montage est fini, j'en suis content, en haut de tout cela, du logiciel, j'ai la touche sauvegarder, je peux cliquer sur la touche sauvegarder, et ici on voit la progression en haut, la sauvegarde se fait. Alors une pub souvent s'affiche, il faut les fermer avec la petite croix, et donc ma photo est sauvegardée directement dans un de mes dossiers de ma galerie de photos. Donc je peux le récupérer facilement. Si je ne suis pas d'accord, je peux aussi l'envoyer sur Facebook, Messenger directement ou par email. Et également accéder à toutes les fonctions de mon téléphone, hein, si je veux l'envoyer à travers d'autres manières.